Changement d'ambiance. Alors là, on se retrouve les gars sur Crash Nitro Kart, premier du nom. On va reboot parce qu'on n'a pas eu la petite musique, c'est quand même dommage. Attendez, ça c'est pas normal. Ouh, à mon avis c'est un peu fort pour vous là. Voilà. Profitez de cette musique exceptionnelle. Hop, j'espère qu'on peut jouer à la manette. J'ai pas fait de test sur le jeu. J'espère que le jeu marche. Confirme. Course simple. Donc là, on est sur la conversion pure et simple de Crash Nitro Kart. Du vrai Crash Nitro Kart. Donc la version mobile. On peut jouer Crash, on peut jouer Neo Cortex, on peut jouer Crunch. On peut jouer Coco. On peut jouer Crash. Et on va prendre Crash, évidemment. Par contre, on va quand même se mettre une petite musique. Parce qu'il n'y a pas vraiment de musique dans le jeu. Donc on va mettre CTR. Non, non. Crash Nitro Kart GBA OST. Ça fera clairement l'affaire. Ok. Ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air pas mal. Merde, 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 merde. Je suis en train d'essayer de jouer à la manette, mais je me souviens plus des touches. Ok, crash. Cité 1. C'est parti. Ok. Alors, j'ai fait aucun test sur le jeu. Ok, donc Crash avance tout seul. Ça m'a l'air extrêmement classique. Ok, on a des petits accélos. Ok, on a des power. Comment je fais? Ok, je fais comme ça. On a eu à coup, je crois. Notre position, je ne sais pas où est-ce qu'on la voit. Je pense que notre portrait, s'il est tout en haut à gauche, s'il est tout à gauche, je pense que c'est qu'on est en première position, à mon avis. 2 sur 3, ça doit être les tours, évidemment. Ok, Crunch, mange-toi à coup, parfait. J'ai l'impression que, à part me déplacer à droite et à gauche, je ne peux pas faire grand-chose. En tout cas, c'est fluide. Ça fait plaisir. Je pense qu'on est clairement sur du 60 FPS, les gars. 4K 60 FPS. Je crois même apercevoir un petit peu de ray tracing dans les roues de Crash. Et pendant que Cortex me passe devant, je ne sais pas comment. Ok, putain, on a gagné au dernier moment, quoi. Wouh! C'est la seule personne créative chez Ubisoft, donc on parle de David Soliani, là. Donc s'il rejoint un meilleur studio, c'est tant mieux pour lui. Ouais, clairement. Clairement, clairement, clairement. Mais bon, il abandonne Rayman. Mais que voulez-vous? C'est Ubisoft qui aura toujours le dernier mot, de toute façon. Ok! Nouveau record, ouais non mais c'est bon hein, c'est bon. Je pense que le record, on s'en tape un peu les gars. Allez, let's go. Allez, on va changer de personnage, tiens, on est fou. On est des malades. Cité 2, c'est parti. Let's go. On fait 2-3 courses et après on passera au suivant. Hein. De ce que je vois là, ça m'a l'air extrêmement classique. En vrai, je crois que c'est sorti en 2003. En 2003, jouer à ça sur son téléphone, je pense que ça devait être cool quand même. Je pense que ça devait être cool. C'est quand même plutôt fluide. C'est pas prise de tête comme prise en main. Lol. Putain, je me fais déglinguer là. Je sais pas si on pourra débloquer des personnages par la suite. Aucune idée. Oh putain, ok. J'ai l'air d'avoir quelques petites surprises. Pas mal. La caisse de nitro. Mais alors, des fois, le CPU, il nous trace, on sait pas comment. Coco, s'il te plaît, me casse pas les couilles. Me casse pas les cocos. Ok, Crash. Casse-toi, casse-toi.
Attendez, vous avez bien la musique du jeu, j'espère. Ok, ça va, c'est bon. Normalement, vous l'avez. Je suis en train de perdre ma course, mais c'est pas grave. Bon. Je crois que j'ai perdu. Non, 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 non. Tu joues sur la version Java, oui, The Momo. Ça a l'air nul à chier. Écoute, Rameau, on se remet dans le contexte de l'époque et dans le contexte de la machine. Voilà. Faut imaginer que je joue à ça sur mon téléphone. Tu vas à droite, tu vas à gauche, bon... Non, je te trouve méchant. On est dans un jeu mobile, là... Non, non, non. Rameau, Rameau. Je suis sûr que t'as joué à Rayman Kart en live un jour, quel j'ai raté. Non, on n'a pas encore fait Rayman Kart en live, mais ça ne saurait tarder. C'est si professionnel, ces changements de cas très organisés en amont. Bravo, merci Linkwiz. Les amis, je pense qu'il n'y a pas grand chose d'intéressant à voir de plus. Je pense qu'on va pas refaire une course. Ça m'a l'air tout à fait convenable, tout à fait sympathique pour un jeu mobile. Attendez, il y a des tournois. À mon avis, c'est exactement la même chose. Vas-y, on va juste regarder deux secondes. Tournoi de la cité. Ah oui, d'accord, encore la cité. C'est la Tessie, ok. Bon. Je pense qu'on a fait le tour, hein. Je trouve le jeu assez beau pour de la GBA, c'est proche de la version GBA, je trouve. Non, tu veux dire pour du mobile, tu veux dire. Mais c'est vrai que le jeu est assez beau. Je crois que sorti en 2003, quand même. Hein. Orti qui arrête pas de commenter le jeu pour ne pas montrer qu'il se fait chier. Mais je me fais pas du tout chier, Rameau, c'est un malade ce mec. Je suis en train de découvrir des artefacts, là. Bon, en tout cas, on va passer au second. Voilà, Crash Nitro Kart mobile, c'est validé, jouez-y.